Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Ce soir, je vais vous présenter une offre spéciale que fait à partir du 22 mars à 20h, que fait Olight. Comme vous le savez, j'aime bien les lampes Olight et il faut profiter des offres qu'ils font pour les acquérir avec ces flash discounts, je ne sais pas comment on dit, ces offres flash. Et aujourd'hui, en fait, il nous présente deux lampes, et je vous en rajouter deux autres, que je trouve géniales et que j'utilise moi-même. Alors, la première, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est la petite Obulb, qui ressemble à celle-ci. Je l'ai de plus en plus. En fait, j'en ai acheté à titre personnel, parce que celle que je vais vous présenter, ils m'ont envoyé deux modèles, mais en fait, j'en achète moi-même. Pour la bagnole, pour le camping, et je vous l'ai déjà présenté. Alors ça, elle sort de l'emballage, et je les trouve géniales, car il s'agit, en fait, on m'a dit, montre les trucs que tu fais. Voilà, c'est une petite lampe, tu appuies, et tu as une lumière qui a la particularité d'être évidemment magnétique, rechargeable. Alors, clac, il y a un petit socle et si je l'ouvre correctement, vous voyez pas ce que je suis en train de faire. Mais voilà, vous avez un petit socle avec un petit truc autocollant que vous pouvez mettre par exemple sur votre voiture. Et de toute façon, c'est magnétique. Je prends un couteau, clac, par exemple. Donc, si tu es le bushcrafter, tu as ça dans ton sac à dos, tchac, tu plantes ça contre ton arbre, ou hein, sur le métal même, et tu as ton petit truc. Il y a un accessoire que je n'ai pas ici, qui permet, avec un petit crochet, c'est le même que celui-ci, mais avec un petit crochet, qui vous permet, voilà, il est magnétique, clac. Et il y a un petit crochet, et vous l'accrochez à l'intérieur de votre tente, quand vous faites du camping, du bivouac, ou de la poignée de la porte de votre voiture. J'adore ces lampes, la Olight Bulb. J'en ai au moins 6 ou 7. Et elles sont géniales. Alors celle-ci, en plus, elle a tout plein de fonctions. Elle est marrante. Donc j'adore. J'adore la Bulb. Je l'ai offerte à ma copine. Elle était toute contente. Moi aussi, après. Ensuite, celles qui sont vraiment bien, j'attends. Il y a la i3T EOS qui vient de sortir dans une nouvelle version et elle est en rabais avec les autres que je vais vous présenter. Alors toujours dans leur super emballage qui est très ergonomique et qui permet... Alors sous vide, je vais la garder sous vide celle-là parce qu'elle est neuve. Et vous avez votre petite lampe. Alors, si j'appuie... Alors, je ne peux pas, il faudrait que je l'ouvre. Mais voilà, typiquement, une petite lampe. Alors, il vous la donne. Je l'ai déjà présentée. Allez voir les vidéos que j'ai faites les fois d'avant. Elle est géniale. Et puis, il y a les deux qui sont en offre spéciale aujourd'hui, qui sont des nouveautés. Et je les trouve géniales. Alors, je les ai ouvertes et je les ai remises pour faire semblant que je viens de les recevoir et que je les ouvre. Et donc, comme on n'est que entre nous, personne ne le sait, on va dire que je les découvre maintenant. Mais en fait, je les ai déjà essayées et elles sont géniales. Parce qu'en fait, ce sont des évolutions de lampes que j'avais déjà présentées dans le passé et que j'ai. Alors, la Perun 2, elle est géniale parce que, outre le super emballage, je découvre un super emballage ergonomique. Mais ce qui est génial avec cette lampe, c'est que, bien sûr... Il y a toujours, alors c'est une lampe en coude et qui a bien sûr, alors je crois que c'est 100, 160, alors on m'a dit, Pierrot, tu nous donnes jamais les spécifications techniques, mais vous n'allez qu'à aller voir le site de Olight, je vais mettre les liens ci-dessous. Mais 2500 lumens, portée 166 mètres. Donc moyenne distance c'est très très bien et courte distance c'est parfait, grosse pile, grosse batterie et
ce qui est très très bien, c'est que dans l'emballage, alors je vais enlever la description et pour revenir à la vidéo, vous avez dans l'emballage, bien sûr, le chargeur qui va vous permettre de charger la lampe, une petite sangle qui va aller avec le reste, et à l'intérieur, vous allez avoir en fait un kit pour installer cette lampe en tant que lampe frontale. Alors évidemment, avec ce système classique, vous pouvez l'accrocher pour être en main libre, donc c'est une lampe qui est idéale pour une trousse de secours, pour une trousse de mécano, enfin vous savez, on a tous à la maison une petite mallette avec les outils de travail, et avoir une lampe qui vous permet d'avoir les deux mains libres pour visser, dévisser et faire un truc, c'est vachement bien. Panne d'électricité, vous devez changer une ampoule en plein milieu de la nuit, vous avez une lampe, etc., si personne n'est là pour vous éclairer. Donc très très bien. Et bien sûr, le kit main libre, enfin idéal, c'est l'idée de la lampe frontale, va vous permettre de mettre la lampe et que vous pouvez ensuite facilement, et c'est avantageux par rapport à une lampe normale, donc elle a cette double fonction, vous pouvez donc installer cette lampe frontale et vous pouvez la mettre facilement et vous avez une lampe frontale que vous ajustez et que vous pouvez tourner en fonction de la luminosité, etc. Alors évidemment, luminosité qui a une variation. Il y a un variateur qui va vous permettre de voir loin, etc. Elle est top. Celle-ci, violette, elle va être géniale à la maison. Alors maintenant, évidemment, la saison s'y prête moins. Je fais moins du vélo la nuit, mais en hiver, une lampe frontale bien puissante, c'est super pratique pour plein d'activités. Vélo, comme j'ai dit. Et celle-ci a aussi la particularité, sauf erreur, d'être aussi magnétique et donc de pouvoir s'accrocher également à une pièce métallique quelque part dans votre bagnole, dans votre établi ou ailleurs. Donc vraiment très très bien. Et puis l'autre lampe qui sort en ce moment, alors cette Perun 2, c'est une version améliorée d'une lampe précédente qui avait, je crois, le même nom, donc ça devait être la Perun 1. Et la Baton 3 est clairement une amélioration, là aussi 1200 lumens. Et l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle vient, c'est-à-dire qu'elle a un petit socle qui, contrairement aux précédentes qui étaient un petit socle de chargement tout petit, celle-ci, le socle de chargement est en fait une sorte de récipient, une sorte de pochette en métal qui inclut une batterie de stockage et qui donc un power bank, qui vous fait une sorte de banque je le mets là, et bien sûr dans le paquet toujours une ergonomie en fait qui ressemble beaucoup à celle de Apple mais très très bien, voilà le chargeur et avec les instructions que j'ignore. Et donc, vous pouvez le charger depuis une prise USB, donc une prise murale avec un adaptateur. Tout ça, c'est très simple. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette lampe qui ressemble à un briquet, vous savez, les vieux briquets Zippo. Et bien, en fait, la lampe, elle est dedans. Elle se recharge sur un socle qui est au fond, qui lui-même peut se charger. Et donc, petite lampe que vous mettez dans une poche, dans vos outils, etc. Et qui a la particularité d'être une lampe très compacte, très légère, très compacte. Et qui donc a l'avantage de... Alors, voilà, j'avais enlevé la languette avant. Et donc, qui permet de voir d'avoir aussi un variateur qui a plusieurs fonctions. Toujours ce petit système qui vous permet de l'accrocher à votre casquette ou quelque part. Et je crois bien également la possibilité magnétique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que elles ont toutes des fonctions, alors vous pouvez utiliser toutes comme lampe,
mais elles ont des fonctions pratiques. C'est-à-dire que celle-ci va être très discrète dans une poche. Ce système va être génial dans par exemple, dans une trousse de premier secours. Je viens de la recevoir, donc je ne sais pas encore où je vais l'utiliser. Mais cette idée, alors je crois que c'est 90 jours d'utilisation à très faible puissance, c'est ce qui est écrit dans le catalogue, ça me paraît impressionnant. Donc c'est excellent en cas d'évacuation, en cas de problème, en cas de kit médical. Dans le kit médical que j'ai par exemple dans ma cave, en fait dans l'abri antiatomique de la cave ici à Genève, en cas de pépin, j'ai quelques lampes, mais c'est des lampes dont les batteries, c'est des CR123, c'est des lampes un peu anciennes, elles ne vont pas durer longtemps en cas de nécessité très longue. Donc j'ai quelques piles de rechange, mais est-ce que j'ai le droit de dire, je crois que c'est des Phoenix E24 ou F24, très vieilles, elles sont très anciennes. Je les ai mises là-bas parce qu'elles ont tendance à bouffer les batteries très vite. Et comme je vais rarement à la cave, je ne l'utilise pas. En revanche, en cas de pépin, j'ai besoin de lumière régulièrement et qui dure longtemps. Et ça peut être pas mal. Parce que le fait d'avoir une batterie qui accumule et qui donc charge longtemps et qui a une puissance de réserve pour la lampe et qui en plus je peux aussi charger depuis un autre power bank avec le petit chargeur, ça peut être pas mal. Donc ce bâton 3 est très intéressant et je pense je vais le mettre dans mon kit qui est dans l'abri antiatomique en cas de problème. Mais enfin, il y a d'autres utilisations, il y a plein de possibilités qu'on utilise, camping, voiture, sur soi, dans les valises de voyage, auprès de votre lit, etc. Et celle-ci, je vais l'utiliser comme lampe frontale lorsque je fais du vélo la nuit, parce qu'elle est très puissante, elle est bien plus puissante qu'une Petzl, par exemple, que j'ai dans d'autres kits, etc. Donc, à chaque lampe a sa fonction, à chaque fonction sa lampe. Et surtout, ce qui est intéressant, donc à partir du 22 mars 20h, pour célébrer le printemps, j'imagine, le Olight sur le site que je mets en dessous, donc Olight France, les amis qui n'êtes pas français, il faut que vous alliez voir les autres sites. C'est une offre Olight France, on m'a souvent fait la remarque, ouais, j'habite en Suisse, je ne peux pas avoir cette offre. T'habites en Suisse, t'es riche, tu peux payer plein pot. Tandis que les Français, c'est le tiers-monde, il faut qu'ils achètent moins cher. Et d'ailleurs, le prix, je crois que vous faites des économies sur la lampe. Je crois qu'ils font une offre entre le bâton 3 et celle-ci, là. Vous faites 50 euros, pas loin de 50 euros d'économie. Je taquine, mais je vous aime bien. Mais c'est vrai que... De toute façon, on va tous devenir le tiers-monde bientôt. Bref, donc, super opportunité. Allez-y, loupez pas l'opportunité. Je vais mettre cette vidéo en ligne le 22 dans la journée. Comme ça, vous avez jusqu'au soir et vous avez 24 heures, pour un peu plus de 24 heures, pour profiter de cette action. Voilà. Je vous remercie. À bientôt et préparez-vous, y compris avec des lampes. À plus.